Bon, à présent, là, je vais vous montrer maintenant le match tous contre. On est trois joueurs ici. Et donc, je vous parlais dans la vidéo précédente avec le Japonais qui a remporté chance chutée en s'accrochant au rebord. Là, voyons voir. Ok. Voyons voir que quelqu'un, ok, que lui, tout ce qu'il fait, c'est se défendre puis abuser de son Iggy. Lui, Bobbles, pour vous dire bien franchement, là, si ça avait été bien trop facile de gagner des points contre lui. Il m'aurait juste fallu juste une fraction de seconde de plus, puis je gagnais. Face à Waiwat. Waiat. Pardon. On va voir de plus près comment ça se déroule. Regardez. Ce qui part, c'est ça. Encore une fois. Tout ce qu'il faisait, c'était ça. Après ça, il utilisait son, son effet explosif. On le reçoit en pleine face. Tout ce qu'il faisait, c'était se défendre. Regardez. Toujours ça. Tout le temps. Et après ça, ça frappait comme ça. Ah oui, c'est pas mal énervant hein, quand vous affrontez ces types de joueurs-là qui jouent... ben, c'est plutôt Bulbasaur Junior, mais là, c'est Iggy. C'est facile de faire ça, hein. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine de le faire? Non, parce que... Parce que pour moi, c'est... C'est pas un joueur qui excelle dans ça. Bon, comme là, un premier point facile là. Regardez le deuxième là. À partir d'ici, regarde, tout ce qu'il va faire, c'est se défendre. Mais jamais donner une frappe quelconque. Ce qu'il va faire, c'est fuir. Puis se protéger, puis conserver son avance comme d'habitude. Hein, Seigneur, c'est assez chiant, oui. C'est le cas de dire, regardez, il manquait juste une fraction de seconde, puis je gagnais. Tu sais, dis-moi pas. Dis-moi pas, ok, comment que je fais pour perdre? Comme c'est une évidence claire, là. C'est une évidence claire, là, qui... Alors, excusez, là. C'est ça, c'est une évidence claire, ok? Il fallait juste conserver son avance pour gagner tout le temps. Tout le temps, vous faites ça, tout le temps. Tu ne vois pas pourquoi après ça, ça ne tombe pas de rejouer avec, avec vous autres, là. Crème, vous allez encore refaire la même chose. Ça finira jamais. Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse avoir plus d'impact dans un match. Mais là, peut-être qu'il y en avait, mais c'était juste de la défensive puis de l'abus. C'était juste ça. On voyait juste ses attaques spéciaux. Là. On voyait pas grand-chose là de sa part. Il n'y avait eu aucun match. Peut-être ici et là, des matchs aériens. Pas plus que ça. Puis se protéger à la fin son avance pour gagner. T'sais, moi je trouve ça plate parce que on dirait que c'est votre seule manière de me vaincre. Votre seule modus de manière de vaincre, c'est comme ça. M'éviter. Mais nous allons voir un peu plus tard, ok. Là, je vous dis, là, ça va être mon deuxième match en mort subite. Dans un contre un. Imaginez-vous donc. Mais ça a été provoqué par mon adversaire qui se nommait Ziki. Ok, que je trouvais qu'on qui jouait
qui jouait très bien dans les quatre premiers matchs là, c'était bien amusant de jouer contre ce joueur là. Il a gagné les deux premiers, mais j'ai gagné les trois dernières. Et moi, il y a juste un truc qui m'a démotivé et qui m'a motivé moi ça m'a vraiment déçu là. OK. Genre souvent la plupart du temps le personnage que vous utilisez pour me vaincre, OK, c'est Mega Man ou bien c'est NES. Vous autres c'est facile OK d'abuser avec là, tu sais piquer Thunder, piquer Fire, attraper. Après ça, enchaîner piquer Thunder, paf. Ou bien Mega Man, ce que vous faites c'est vous m'attraper, après ça quand je suis rendu assez affaibli, vous chargez votre côté là. Puis quand vous êtes en éloigné, ben vous osez même pas venir me voir. Tout ce que vous faites, c'est de lancer vos armes sur moi. Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, regarde, sauter. Pendant 10 secondes de temps. Vous allez voir ça quand je vais jouer mon shoot là. Puis surtout que j'ai dû forcher mon jeu parce que mon adversaire me forçait à le faire, me le forçait tellement parce que c'est moi qui attaquais tout le temps. Moi je voulais puis vous allez voir que j'aurais fait des bonnes choses. J'ai essayé de faire des bonnes choses au début, mais après ça j'étais limité comme à 4 moves que pour selon moi fonctionnaient contre lui. Je pouvais pas faire mieux que ça là, mes smash. Il osait même pas m'attaquer vers le haut, là, tu sais. Je sais pas, c'est facile de d'esquiver un smash sur le côté, là, tu sais. T'as juste besoin à me frapper au-dessus. Il faisait jamais aucune attaque aérienne, à rien. Tout ce qu'il faisait, c'est essayer de m'attraper pour me vaincre. Puis, je vais faire la comparaison avec un match que j'ai pronostiqué. OK? Donc, un joueur que j'ai trouvé qui a joué excellent contre un adversaire de 60, une capacité de 64%, lui, était à 51%. Bon, là, on va se rejoindre pour de prochaines vidéos. Et la prochaine, OK, ça va être avec deux matchs en rafale contre un joueur qui se nomme... Attendez que je recherche... Contre... Wario. À suivre.